Vous voyez un peu le délire? Voilà, très joli de cette manière-là. This is beautiful. Hello tout le monde, c'est un nouveau vlog. Donc comme vous pouvez voir, je suis à l'hôtel. Je suis en train de ranger mes affaires. Je suis avec Destiny. Allo Destiny. Donc je voulais vous montrer quickly en fait. J'avais pris cette jupe la dernière fois en lin, toute noire, chez Zara. Mais finalement, cette robe-là, je pense que cette jupe-là, je vais la garder. En fait, c'est un ensemble, en fait. Et je voulais prendre l'ensemble qui va avec, vous savez, les hauts waistcoat. Mais je vais rendre ça. Et là, en fait, j'avais prévu de faire un peu de contenu mode, mais j'ai pas eu le temps. Donc en fait à la base je voulais porter ça, en fait je voulais vous proposer une vidéo de look en fait. Donc je voulais faire cet ensemble là, mais que je vais toujours faire. Donc pour celles qui m'ont demandé la dernière fois, c'est du lin, je vérifie encore. C'est bel et bien du lin, ça va jusqu'à extra large, extra extra large. Voilà, donc c'était un ensemble comme ça que j'ai pris. Il faut juste que je retouche juste le bouton et il faut que je change le pantalon parce que c'est un extra large et je veux que ça soit un peu plus gros. Donc la meilleure chaussure que j'aurais voulu porter avec, j'aurais porté ça. Je trouve qu'avec des chaussures ouvertes, ça fait plus joli en fait, des sandales ouvertes comme ça. Voilà, je voulais vous proposer ce look là. Après, vous pouvez aussi très bien le porter avec des chaussures fermées, tout dépend de vos goûts. C'est toujours dans le même style, mais c'est un peu plus couvert, un peu plus fermé. À la base, c'est un ensemble que Zara faisait ensemble avec le pantalon qui va avec. Mais j'ai pas eu le pantalon, en fait. Et voilà, c'est passé. Je sais pas si je vais garder ça, mais en fait, l'idéal, j'aurais porté ça avec un jean. Mais genre un jean coupe droite. Voilà, c'est ce que je voulais faire. Vous pouvez porter ça avec une paire de couleurs, de sandales colorées qui va avec, qui va faire un color block. Ou tout simplement une couleur un peu... Amène-moi les chaussures black and white, please. Voilà. Je ferai une vidéo, mais je vous montre quand même. Puisque là, je range, il faut que je parte, en fait. Sinon, j'aurais fait. Merci. Donc, parfait comme ça. Vous voyez un peu le délire? Voilà, très joli de cette manière-là. Voilà. Donc, il faut que le pantalon, comme, soit bien... bien à votre taille, qu'il soit pas trop long, mais pas un skinny jean, mais un pantalon coupe droite, quoi. Voilà. Et ce jean-là, il faut que je le retouche. Depuis, je dis ça, mais j'ai pas eu le temps de le faire. Destiny, amène-moi tes chaussures. S'il te plaît. Donc voilà. Donc là, cette semaine, ça va être une semaine self-care. Donc, demain, pas demain, mais lundi, je réserve le spa. Je vais aller faire un massage. J'allais faire un massage. And the bike. Je vais aller faire un massage. Cette semaine, ça sera self-care, self-care. Je suis supposée reprendre le sport cette semaine. Donc, voilà. Donc, cette semaine, j'avais prévu de faire un vlog. Just self-care, reprendre ma routine, quoi. Reprendre les routines pour être dans le bon chemin. Pour, voilà, vivre plus sainement. Être bien dans mon corps, être bien dans mon mental, mentalement et tout ça. Donc voilà. Donc là, du coup, il n'y aura pas grand chose à montrer aujourd'hui. Parce que j'ai. Je suis en train de paquer. Et j'ai du boulot à faire. Mais je voulais vous montrer quand même les produits que j'ai utilisés sur mon visage. Bonne routine de soins, donc mon make-up est top. Et aujourd'hui, j'ai utilisé le fond de teint NARS. J'ai juste utilisé le fond de teint NARS et de l'anti-cerne Too Faced. L'anti-cerne NARS, même, il faudra que je me le rachète. Voilà, j'adore mes ongles. Mais ils sont quand même longs. Aujourd'hui, j'ai utilisé le fond de teint NARS. Voilà, pour celles qui ne me connaissent pas.
Pour celles qui ne me connaissent pas, ça fait pas longtemps que vous me suivez, je suis une addict de NARS. Je trouve qu'ils font les meilleurs fonds de teint pour les peaux noires. Et les meilleurs fonds de teint, en fait, si vous voulez un teint glowy naturel. Donc, c'est ce fond de teint-là que j'ai utilisé aujourd'hui. Je suis en teinte Macao. Donc, c'est le fond de teint réfléchissant à la lumière. Vous avez vu quand j'étais à la lumière, comment mon teint était assez glowy. Donc, pour mon contouring... Oh là là, c'est énervant quand ça fait ça. Mon contouring, j'ai utilisé, apparemment c'est un fond de teint, mais j'ai pris ça j'utilise ça en fait comme contouring. Donc c'est le Vanish Expresso. Donc vous pouvez l'utiliser en contouring ou bien en fond de teint. Hourglass aussi, ils font de très bons produits de maquillage. En général, j'utilise quand même des trucs assez coûteux pour le make-up. Donc voilà, donc ça va pas être la tasse de thé de tout le monde. J'ai utilisé ça. Et ensuite, j'ai utilisé l'anti-cerne Too Faced que je faut que je change. Et je vais reprendre NARS en fait. Donc voilà, donc c'est le Born This Way. En teinte Butterscotch. Tout sera en bas. C'est pas un maquillage d'ouf que j'ai fait. Et les fossiles, j'évite. Voilà, j'évite parce que bon, je trouve que ça arrache les cils naturels. Donc j'ai utilisé le Hourglass, comment ça s'appelle même, le Cushion Ultra Black. C'est ce que j'ai utilisé comme mascara. Voilà. Et comme blusher, j'ai oublié mon blusher, donc j'ai utilisé le blusher Hourglass toujours. Donc c'est le Ambient Light Blush. Quand je l'ai utilisé la première fois, j'ai pas trop kiffé, mais là j'ai bien fait mon make-up et là on voit pas, mais ça ressort bien quand même un peu le rose. Ça a un bronze, c'est un peu bronzé rose quoi en fait. Il y a deux couleurs. Attendez, je vous montre. Oh. Il y a deux couleurs comme ça. Et mais il y a un autre produit que je voulais vous montrer depuis hier, je le cherche. Je sais pas où est-ce que je l'ai. Est-ce que je l'ai mis? Hello les filles, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Je suis à la maison, je suis sur le point de sortir. Donc là en fait, normalement le vlog, ça devait être un vlog self-care, mais je le réserve pour la semaine d'après. Donc là en fait, oh là là, j'ai l'air fatiguée, je ne me suis pas beaucoup maquillée. J'ai serré le foulard parce que les tresses elles sont vieilles. Donc là en fait aujourd'hui du coup je sors, je vais au cinéma. Là je vais aller au cinéma avec Destiny. Ensuite j'ai des retours à faire chez Zara. Et je voulais aussi acheter des affaires en fait pour elle pour la rentrée. Notamment je voulais passer chez Adidas pour elle. Pour lui prendre les baskets Samba. J'espère qu'on aura le temps de faire tout ça. J'ai aussi des chaussons que je voulais prendre pour moi. Donc voilà. Donc en fait aujourd'hui ça sera vraiment... chill day quoi, voilà. Donc voilà, donc tout, je vous montrerai tout après ce que j'ai porté. Voilà, à tout à l'heure. Donc voilà, donc là on attend, on a déjà pris le popcorn et des bonbons. Donc voilà, je vais juste vous montrer ma tenue du jour en fait. Mais je sais pas, ils sont les toilettes ici. Term, distance, low commitment, casual girlfriend.
Ok, donc là on a fini au cinéma. C'était pas mal le film. C'est interdit au moins 12 ans en fait le film parce que je pense qu'il y a quelques. Voilà, il y a quelques. Bah, vous savez comment les Américains ils parlent. Sauf qu'ils ont. Ils ont swappé en fait. Donc ils ont changé. Ils ont changé en fait et ils ont, au lieu de dire ben voilà le mot, ils ont mis la plage. Si vous comprenez en anglais, voilà. Et il y a un moment où on met la main aux fesses en fait à Barbie. Voilà, mais bon. En fait, je pense que peut-être aussi, parce que je pense qu'il y a moins de 12 ans, je sais pas si vous vraiment vous comprendre le film ou quoi. Donc voilà, donc là on a Adidas. Je vais regarder les baskets pour Destiny Kids. Voilà, j'avais envie de prendre des Samba. Donc non, mais ils ont restocké, donc c'est ça qu'on est venu voir. Bien. Kids, we're looking for kids. Can you see kids? It's just here. Yeah, that's the one I want to buy, but I want a white one. Oh, it's there. This one. Tout est toujours plus mignon en tout petit. Ça, ça serait bien pour ma nièce, mais je sais pas s'ils font pour les bébés. J'ai l'impression qu'ils font que des gazelles pour les bébés. Ah non, je vais les like this. And it's blue. Ok, donc c'est bon, prison. Mais moi, je l'ai vu aussi. En blanc comme ça, c'est magnifique. J'ai l'impression que c'est grand. Enfin, j'ai l'impression, mais comme elle a tellement grandi, on ne sait jamais. Sa taille en 30 en fait, donc en fait elle taille petite, les c'est pas qu'elle taille petite, c'est que les tailles anglaises ne sont pas comme les tailles européennes. Le dessin fait du 30 en fait, et le 30 en normand c'est du 13 chez Nike, et le 13 c'est du enlève, mets tes chaussures, elle m'embrouille, et le 30 en fait c'est du 13, mais ici le 30 c'est du 12 en taille anglaise, si vous comprenez ce que je veux dire. Normalement, elle fait du 13, qui est normalement du 30. Mais ici, le 13, c'est du 31,5. Donc voilà. Destiny, ne mets pas tes pieds par terre. Ok, donc là, c'est moi. Je vais commander ça en ligne. Et voilà. Ouais, parce qu'on commence à faire les trucs pour la rentrée maintenant. Là, je vais aller à Zara parce que j'ai des retours à faire. Jeter un petit coup d'œil. Et je vais aussi me prendre des chaussons à Zara Home. Je voulais prendre un pyjama, mais. J'ai la flemme d'aller jusqu'à H&M Home de l'autre côté en fait. Ok, donc du coup,
on a marché après le magasin. Je ne sais pas si vous avez repris. Donc après Adidas, on a marché dans le parc de Green Park. Je suis même un peu en sueur. Donc là, en fait, on est arrivé à Knightsbridge, mais il n'y a pas de bus. Donc on a monté dans un taxi vite fait. Je vais aller faire mes retours et je vais me poser pour manger. Après, je vais rentrer à la maison. Je vous assure, je vous avoue que je ne sais même pas ce que j'ai commandé. Je pensais que ça allait être une salade. Donc c'est un plat chaud. Je pense que ça, c'est ouais, du riz brun, du riz marron. Et j'ai pris des fils pour dessiner. En fait, dessine depuis tout à l'heure, elle dit qu'elle ne se sent pas bien. Elle a mangé le pop-corn et c'est resté calé dans sa gorge. Enfin, donc elle a dit qu'elle ne va rien manger. Voilà. C'est bon, dessine, elle a mangé. Il y a des gens qui sont sur leur terrasse, ils habitent tout le monde là. La belle vie, quoi. Avec une glace, j'ai oublié le nom du coin où j'ai acheté la glace, ça s'appelle ouais, Parler Ice Cream. Moi j'ai pris un sorbet aux passions, aux fruits de la passion, pardon. Et Destiny, elle a pris une glace salted caramel. Fais voir ta glace, Destiny. It's good. Donc là, on va s'asseoir pour manger nos glaces. Et après, on va rentrer à la maison. Moi, ce que j'ai pris à manger tout à l'heure, je n'ai pas compris ce que c'était. Mais c'était une soupe, en fait. Je pensais que c'était une salade. J'ai pas bien regardé. C'était une soupe de poisson avec du riz brun, en fait. Mais j'ai bu que la soupe et mangé le poisson. J'ai pas mangé les légumes.